déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Qu'est-ce qu'il y a dans le chemin? On va discuter toi. Tu as fait quoi, tu me dis? Qu'est-ce que tu as fait au vieux là? Salut internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, on est devant chez Richard. Richard qui est une personne âgée et qui a besoin d'un aide-soignant pour prendre ses cachets, prendre sa douche parce qu'il n'est plus indépendant malheureusement. La famille de Richard nous a contacté parce qu'elle a des doutes sur l'aide-soignant. Ils soupçonnent l'aide-soignant de voler Richard, de le maltraiter, de lui parler mal et même d'être violent avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devant chez lui, on va se rendre chez Richard, on va mettre des caméras dans sa chambre, des caméras cachées bien entendu. Nous, on restera dehors avec un retour visuel pour voir ce qui se passe chez Richard quand l'aide-soignant est là. S'il se passe quelque chose, on piégera l'aide-soignant quand il sort de chez Richard et on lui donnera une sentence à la Kamoff comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, portez-vous bien et bonne vidéo. Ciao. On se réveille. Alors, t'as fait la douche à la fin? Ce qui s'en pue là? Qui? Moi? Moi, te laver. Et tu peux rêver, hein? On va te mettre un coup de bureau. Oh, stop! Il a mis du déo. Je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il a mis du déo sur la gueule, gros. Ah, mais ça sent un peu meilleur déjà, hein? Allez, donne-moi ton bien, on va faire la... Ah, donne-moi ton bien. Putain, c'est chaud ce qu'il fait. Bon, là il délire pas avec lui. Hein. C'est vraiment un bâtard le mec. Hein. Arrête-toi. Arrête sur ton lit de mort. Tu vas caler ici de toute façon. Pourquoi il fouille partout? T'as là, il est en train de fouiller partout. Vous le voyez à l'image aussi. Mais... Ben c'est à moi. Écoute-moi bien. Tu vas mourir ici. Regarde. Tu vas avoir un Covid en plus. C'est quoi? On verra ça, là, il a les couilles. J'ai les... J'ai les... On va voir si j'ai les... Oh bordel, je me suis trompé, grosse... T'avises pas d'appeler la police ou ton petit fils, hein? C'est pas que la prochaine fois que je reviens, tu es mort. Ah c'est bon, il s'en va, viens on se planque. Dès qu'on le voit, on le suit. Il doit certainement aller à sa voiture là. Tu l'as? Tu l'as ou pas? Allez vas-y.
vieux. Qu'est-ce que tu as fait au vieux là? J'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait au vieux? J'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait là, monsieur? Tu lui as fait quoi, monsieur? Hein? Vas-y, parle, je t'écoute. Je suis venu le nettoyer. Tu es venu le nettoyer? Viens avec moi. Viens, moi là-bas, viens. Tu es venu le nettoyer, monsieur? Oui. Tu sais que là, je te filme. Tu sais que je te filme. Ouais. Tu sais où ça va aller, ça? Non. Tu sais où ça va aller? Non. Flic. Direct, non. Comment, non? Non. Tu fais quoi, monsieur? Qu'est-ce que tu fais, monsieur, depuis des mois, là? Explique. Non. Vas-y, dis, je t'écoute, on t'écoute, là, vas-y. Vas-y, t'es filmé, tu passes sur YouTube, vas-y. Tu as fait quoi, monsieur? Bah, je viens tous les jours. Tu fais quoi tous les jours? Je viens nettoyer. Donne-moi son téléphone, à monsieur Clément. Voilà. La montre. Donc, tu sais quoi? Allez, hop, tiens. Allez, ça, ouais, je sais qu'il y a tout dedans. Allez, viens avec moi. On va discuter, toi, moi. Tu sais où on va aller, là? Non. On va aller au flic direct. Non, mais non. Attends. Non, pas les flics. Tu travailles pour toi ou tu travailles pour une entreprise? Qui travaille pour moi? Tu es libéral, donc? Ouais. Et tu travailles pour toi? Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que toutes tes coordonnées, je vais les balancer sur internet. Et tu vas changer de métier, je te le dis. Ou sinon, tu vas en prison. Parce que je peux t'affecter. Pourquoi tu lui as levé le masque, hein, monsieur, tout à l'heure? J'ai vu, tu lui as levé le masque. Pour voir le tien aussi. Non, tu as levé le tien aussi, tu es allé vers lui. Qu'est-ce que tu as fait? Le sentir. Non, bah écoute, si tu continues à me prendre pour un con, ça va être simple. Non seulement je vais te mettre un taquet, je vais te faire voler tes lunettes, et en plus je vais t'emmener au flic. Alors dis-moi ce que tu as fait avec monsieur Clément, s'il te plaît. Non, vas-y, je t'écoute. Bah, il voulait bien. Accélère! Tu lui as donné le Covid! Oh, j'ai jamais entendu ça, frère. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je vais le tuer. Oh, je vais t'arracher la tête, hein. Tu veux quoi, vieux? Tu veux tuer le Covid, toi? Pourquoi faire? Parce qu'il y a une question. Bon, écoute, mon poteau, faut changer de métier. D'ailleurs, tu vas changer de métier. Tu vas changer de métier. Non. On parie combien que tu vas changer de métier? Mais dis pas non. Je vais mettre ta gueule là, je vais aller au commissariat, je vais montrer ce que tu as fait. On a les images. Tu sais que ça a été filmé aussi, hein, dedans? Allô? Ça a été filmé dedans, hein? Tu sais, tu le savais pas? On a vu et entendu en direct. Donc regarde ce qu'on va faire. Tu vas venir avec nous, on va aller au commissariat, d'accord? Non, je veux pas, pas la police. Pourquoi pas la police? Parce que je veux pas. J'aime bien les gens comme ça, moi. Ils sont là à faire des conneries, après ils disent non, pas la police. Faut assumer, mon pote, assume. T'es fait niquer, assume. Va savoir ce que tu as fait à d'autres gens. Toi, je vais être radié de ce métier. Tu entends? Radié. Allez, viens. Viens avec moi. Bonjour. Alors écoute-moi. Je t'amène dans la colline ici, tu vois. On est au plein centre de Marseille. Tu vois ici, il y a des numéros 12, 16, 6 et 6. Choisis-en un. Allez, vas-y. Si tu choisis le bon, tu as gagné, tu te laisses tranquille. Si tu as choisi le mauvais, ben, t'as envie pour toi, on t'amène au flic. Allez, vas-y. 12. Ok, 12. C'est pas le bon numéro, non? Non, c'est pas le bon numéro. Là, avant toute chose, on va discuter, toi et moi. Parce que j'ai toujours pas compris pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu maltraites les gens? Pourquoi tu maltraites les personnes âgées? Explique-moi. Je sais pas, il me casse les couilles. Mais c'est quoi? C'est ton métier que j'aime pas? C'est quoi? T'aimes plus ton métier? Je sais pas, je gagne pas assez de sous. Tu gagnes pas assez de sous? Ouais. Être soignant, à ton compte, tu gagnes pas assez de sous? Ouais. Combien tu gagnes tous les mois, s'il te plaît? Vas-y. 3 300. 3 300 euros? Ouais. Et tu me dis que tu n'as pas assez d'argent? Non. Et même si tu n'as pas assez d'argent, c'est une raison pour faire du mal aux vieux? Je sais pas. En plus, tu voles? Vas-y, mais je t'écoute, vas-y. Ouais, dis-moi. Non, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, mais c'est bien, c'est normal. Tu regrettes ou tu t'en bats les couilles? Tu regrettes même pas? Non. Ok, allez, je te montre un truc. Ici, je venais là quand j'étais petit. Et tu vois cette cabane? Tu vois? Ouais. C'est mon oncle qui l'a construit quand j'étais petit. Et quand je venais ici, quand j'étais jeune, je passais toutes les après-midi, tu vois, toutes ces pierres là? Ouais. C'est moi qui les ai mises ici, tu vois. Regarde, viens, je te montre. Vas-y, rentre. Non, vas-y, fais-toi. Qu'est-ce que t'as peur? Non, mais je sais pas, bizarre, je vais m'enfermer. Mais je vais pas t'enfermer, je rentre en premier. Allez, je rentre en premier. Voilà, regarde. Tu vois, ici, c'est mon grand-père qui a construit cette cabane, tu vois. Aujourd'hui, ce que je vais te demander, juste, c'est de faire propre. Tu vois ici, juste de nettoyer, tu vois, il y a une poubelle ici avec des mégots. Tu fais propre et je te laisse tranquille. Ok. Ok. Allez. Ben vas-y, commence par la poubelle, là. Elle va faire un là, allez. Donne-moi la corde, vite. Grimo! Oh, Grimo! Grimo! Vas-y, c'est bon, Grimo! Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Je te parle. Tu sais non! On va faire un truc simple, je vais appeler les flics. Ouais. Ils vont venir ici. Non. Ils vont te cueillir. Non. Si, si. Non. Si, si. Parce que tu sais quoi? Oh! Tu sais pourquoi? Parce que tu es une petite merde. Oh! Ouais. Tu es une petite merde. Ah, écoute-moi, on va faire un truc simple. Là, ce que tu fais, c'est inadmissible. Si c'était que de moi. Oh. Ouais. Si c'était que de moi, je t'aurais déjà défoncé. Tu as compris? Donc là, ce qu'on va faire,
c'est que j'ai appelé les flics, je vais les appeler, je vais leur dire où tu es, je vais leur donner les images, ils vont venir chercher. J'ai l'impression que c'est grave. Ah, lève-toi. Ouais, tu sais quoi, t'inquiète pas. Allez, regarde. On s'en va, je les appelle de suite. Je vais voir. Oui, je vais voir, t'inquiète. Je vais voir de suite. J'appelle les flics. Je suis. J'appelle les flics. Ta gueule! Police nationale, bonjour! Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour vous signaler un aide-soignant du nom de. Qui est actuellement. Aide-soignant, et en fait, cet aide-soignant, ce qu'il fait, c'est que maintenant, il va se cacher toutes les vidéos. On a mis tout le caché parce que voilà, il a failli tuer une personne âgée là, et j'ai son adresse. J'ai par contre, je l'ai piégé, il est à l'endroit, il est au 13, dans une cabane pour chasseurs, il n'y en a pas 5 de toute façon. On est ici et lui il est là, il est enfermé dedans, il bougera pas, voilà. Merci. Et moi ce que je fais, ce que je vais au commissariat, je vais amener les images. Ouais. Merci beaucoup. Non, ça me va mec. Non. Nous ce qu'on va faire là, c'est que on va au commissariat, on va déposer les images, on va tout le monde. La carte SD et tout, donc on pourra pas filmer. Il va la casser. Non, ça bouge pas. Donc on va donner toutes les images à la police. Ils savent où il est, il ne devrait pas tarder à arriver. Et voilà, on vous donnera des nouvelles dans les prochaines vidéos. On saura ce qui s'est passé. Allez, ciao! Je crois que c'est toi qui vas comprendre ce que c'est en prison de se faire. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites attention, le message que je vais faire passer, c'est de faire attention. Quand vous avez des personnes âgées, quand vous avez des gens que vous aimez et qui ont besoin d'aide à domicile ou de n'importe quoi, de soins hospitaliers, tout ça, franchement, ne faites pas confiance à n'importe qui. Ils sont pas tous comme ça, bien heureusement. Mais voilà, il faut faire attention quand même quand on laisse des proches à nous dans les mains des gens qu'on ne connaît pas. Parce que ça reste malheureusement des humains. Je vous fais de gros bisous. Rendez-vous à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Et dimanche sur la chaîne secondaire pour une nouvelle vidéo aussi. Bisous.